Mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Joanne Lacombe, présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et je suis avec Régent Sirois, qui est directeur de l'éducation également. On est ici parce qu'on a fait une belle annonce à l'école Bernard Grandmaître. Donc, nous avons eu du financement pour une nouvelle école dans le secteur Riverside Sud. Es-tu content de ça, Régent? Vraiment heureux, mais surtout content pour la communauté, content pour le personnel, les élèves. C'est une école qui a près de 700 élèves, dont la moitié se trouve à l'extérieur des murs de l'école, donc dans des portatifs, et on a fait des heureux et des heureuses ce matin. Moi, je pense que ce qu'il va falloir regarder également, dire aux parents, c'est une nouvelle école élémentaire catholique francophone, qui va avoir 412 places pour vos nouveaux petits bouts de chou, les nouveaux élèves et tout le monde qui veut venir. Donc, venez vérifier pour voir ce qui se passe ici au conseil. Puis si on regarde ce que le conseil a construit au cours des dernières années, le type d'école est ultra-moderne, des écoles où la lumière naturelle, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les écoles construites auparavant. Et moi, je crois que les parents vont être enchantés, les élèves, de voir la qualité des immobilisations. Je vous invite à aller voir Paul Desmarais, Notre Place, merveilleux, vous allez voir la qualité des édifices et vraiment des installations ultra-modernes à la fin de pointe. Puis c'est là que vos élèves, vos enfants vont être éduqués. Donc, moi, je vous invite déjà à vous inscrire. Parfait. Puis là, on s'en va célébrer. Alors, on vous souhaite tous une belle journée.